Ben, on part. On s'en va à Montréal, là. Pour aller Pigeonnet. Puis ben, c'est ça. C'est-tu autre chose à dire? La réponse habituelle quand on dit ça, c'est... Qui? Ouais, qui? Ben, la réponse habituelle, c'est... Ben, c'est le gars qui joue de la guitare, là. Il est cute. Puis c'est ça. Ouais. On va pleurer. Ça va être le fun. Ça va faire du bien. Ouais, ouais. Bref. Oh! Oui! Ben, il est 2h30. C'est la première fois qu'on part aussi tard pour aller à Montréal. On verra ce que ça donne. Puis, ben, c'est ça, vous l'avez vu un peu, mais dès la chillait dans mon bureau. Moi, je trouve ça très drôle. Ouais, c'est un peu drôle, là. D'habitude, le monde apporte leur enfant à Joe. Ben, moi aussi. Excuse me, bitch! On est update dans un rang perdu. Parce que dans le fond, il y avait. Fauchy. Oh my god! Il y avait fucking trafic sur l'autoroute. Fait qu'on est passé par un détour, mais dans le détour, il y a du trafic. C'est ça. Puis là, on va aller manger à Cajou du Fort. Parce que c'est ce qu'on mérite. Puis ça ne tente pas d'attendre dans le froid. Mais moi, dans le fond, on s'est dit que on va juste y aller, genre quand les portes sont ouvertes. Parce qu'on ne sait pas être full en avant. On va juste profiter de la musique. Puis, you know. Hey, we made it. Can you believe? Oh my god, les. Ça nous a pris genre presque 4 heures. Ça y est, les péripéties, là, les détours. Il est 6h23. On est parti à genre 2h30. Un mess. Donc voici notre repas de la cage au sport. Ça a été un flop. Vous voulez même pas savoir. Sympathy, I hope you can show me if you.
you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Imaginez, genre,
t'es quelqu'un qui travaille toute la journée, nanana, là tu prends la bus pour rentrer chez vous après une longue journée de travail, là t'arrives, tu dis I love you à ta blonde, puis elle dit alright. Puis là, tu penses à autre chose, tu commences c'est à tout ça. Il a juste refait ma même situation, mais chez eux. Mais genre, chaque fois qu'il parlait, c'était genre quelque chose comme ça. Là, on est... Puis genre, à un moment donné, il voit une pancarte, pis il go, cool. Genre, il faisait juste parler, raconter une histoire, pis il fait, yeah! Genre, check notre pancarte, cool. Pis il a dit ça aussi quand il a, oh, est-ce que je vais prendre une photo avec vous? Là, tu sais, toute la crowd, pis genre, ouais! Pis la photo, cool. C'est comme vraiment, genre, platonique. Genre, ouais, c'était genre, cool. Cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, à chaque fois qu'il racontait genre des jokes, il disait toujours des jokes. C'est ça, moi, genre tout le long, je disais ça me faisait penser à Harry. Là. Ouais. Genre des jokes pas tant drôles, mais genre comment il s'est dit, ça fait que c'est drôle, mais des gars. Parce qu'il est comme genre awkward, fait ouais. Il est dans son monde, c'est ça. Il vit sa vie. Tu voyais, quand il parlait, là, admettons entre les tunes, il regardait personne, il regardait genre. La première, il regardait comme la passerelle, genre. Ouais, regardez dans le vide. Comme un exposé oral, là. Tu regardes pas le monde, tu regardes genre. Un exposé. Tu regardes. Le mur, la prof, elle était comme si ça, était beau, c'est pas obligé de regarder des yeux, regarder genre le mur dans le fond. C'est ça que je faisais. Il était là avec son micro, là. Oh, Seigneur. Oh, wow.